Le Tequitoi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jomo Style qui a décidé de participer au Tequitoi. Salut Jomo, comment tu vas? Eh ben, très très bien, et toi? Impeccable, nickel. Donc oui, j'ai complètement foiré mon Tequitoi aujourd'hui, c'est pas grave. Est-ce que tu m'autorises à remettre le rediff live de ton Tequitoi sur YouTube? Pourquoi pas, oui. T'as le droit de refuser, hein. Il y en a qui m'ont dit non et je l'ai pas mis. Non, mais c'est ça que pour le moment, comme je sais pas trop ce que c'est, si tu veux, permets-moi peut-être à la fin de te dire ah ben non, mais pour le moment, j'ai pas de problème. T'as tout à fait le droit. T'as tout à fait le droit, c'est pour ça que je pose la question. Donc du coup, oui, donc la première question, comme on disait, une présentation de ta chaîne TikTok. Eh ben, ma chaîne TikTok, c'est juste des vidéos rigolotes que je fais, voilà, parce qu'en ce moment, j'ai du temps, puisque moi, je travaille dans les métiers du spectacle, et comme tu le sais, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Voilà, et comme j'adore la mode, puis que je suis un petit peu militant pour, tu vois, le droit d'avoir un petit peu le style qu'on veut sans être emmerdé par qui que ce soit, donc je fais des vidéos un petit peu sur ce thème, sur la guitare aussi, parce que je suis musicien, donc aussi, je... Donc voilà, il y a plein de choses, c'est un peu le bordel. Il n'y a rien de très très organisé parce que c'est pas un machin destiné à faire plein de vues dans tous les sens. C'est un truc pour m'amuser. Voilà, le jour où ça m'amusera plus, j'en ferai plus. Et puis voilà quoi. Voilà. D'accord. Je peux t'orienter sur une chaîne d'un guitariste. Pour moi, c'est un guitariste de légende. Il s'appelle Smooth and Sour. Ah oui, alors bah, je le connais pas spécialement lui, mais enfin effectivement, il y en a pas mal, tu sais. Tous les jours, j'en découvre, c'est vachement bien, tu vois. Moi, je regarde un petit peu. Lui, franchement, écoute-le. À chaque fois qu'il fait un live, j'ai l'impression d'être en plein concert avec lui. C'est un truc de fou. Smooth and Sour. Il a participé au Tequitoi et c'est un de mes bouchous, comme on peut le dire. C'est un de mes chouchous. Bah, écoute, super. Donc, guitariste dans les concerts. C'est pas mon métier, je suis guitariste amateur. Tu as rencontré des artistes assez connus ou tu fais plutôt des petits groupes? Non, mais alors attends, moi je suis guitariste amateur, c'est pas mon métier. Mon métier à moi, c'est éclairagiste, tu vois, pour les tournées, les spectacles, etc. Donc, effectivement, bon, là, je côtoie effectivement des artistes. Voilà. Mais sinon, non, la guitare, c'est vraiment une passion que j'ai à côté. J'ai plein de passions, d'ailleurs. J'ai des passions pour les guitares, pour les bottes, pour plein de choses. Voilà. Okay. Et au niveau de l'éclairage, justement, t'as fait quel spectacle déjà? Oh ben là, tu sais, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier, donc ça fait un petit moment que je fais ça. J'ai fait pas mal d'artistes. En ce moment, ceux avec qui je travaille le plus, c'est Michael Gregorio et puis Jean-Baptiste Guégan. Enfin, je dis en ce moment, jusqu'à ce qu'il y ait le confinement et le Covid, quoi, évidemment. Et avec Gregorio, on est en tournée. Je fais ces lumières depuis 2006, tu vois, et Jean-Baptiste, là, depuis 2018. Voilà. Donc... Voilà. Du coup, pourquoi as-tu commencé sur TikTok? Parce que j'aime bien les réseaux sociaux, parce qu'on croise quelquefois des gens super sympas. Alors, il y a plein de gens tu sais, qui disent ouais, les réseaux sociaux, surtout TikTok, voilà, il y a des haters, des machins, des trucs. Mais au milieu de tout ça, on trouve des gens super formidables. Alors, il faut faire le tri, il faut avoir la carapace pour passer au travers de tous les petits merdeux qui sont là juste pour foutre la merde. Mais tu trouves des gens comme Cédrine, par exemple, tu vois. Des gens comme aussi un gars que j'ai connu, la Brest Serker, super adorable et tout. Enfin, bon, bref, moi, depuis les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, j'ai fait la connaissance de plein de gens, tu vois, y compris ma nana que j'ai rencontré plus ou moins sur Facebook il y a 7 ans. Donc, les réseaux sociaux, moi j'aime bien. Donc là, j'ai essayé ce truc-là, tu vois, j'avais du temps, c'est rigolo. Et puis surtout, j'ai commencé à voir ça parce qu'il y avait des vidéos avec des transitions, tu sais, tu lances ta pompe en l'air, pouf, t'arrives, t'es habillé et tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien parce que pour le coup, il fallait un peu se creuser les méninges pour faire des vidéos rigolotes. Et ça changeait, tu vois, simplement les photos, les selfies et les machins que j'aime bien aussi, si tu veux, parce que j'ai un peu fan de mode et de style alternatif, tout ça. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une possibilité. En plus, t'es limité dans le temps, faire des choses où tu te décarcasses un peu pour faire des choses un peu rigolotes. Alors, force est de constater, c'est pas toujours les trucs où tu te décarcasses le plus qui font le plus de vues et qui ont du succès. Hein, tu vois, tu peux te chier dessus pendant 3 heures pour faire un truc d'une minute et ça va faire 200 vues. Et puis, tu fais une merde de 10 secondes tout pourri en vitesse et puis tu fais 12K. Bon, c'est assez rigolo, mais
Enfin bon, bref, en tout cas, je m'amuse un petit peu en ce moment avec ce truc-là, c'est rigolo. Ok. Et du coup, tu es que sur TikTok ou est-ce qu'on peut te trouver sur d'autres applications? Ah non, je suis sur Facebook et sur Insta, mais c'est des trucs plus confidentiels, si tu veux. C'est des trucs, bah, le Facebook, c'est mes collègues de boulot, c'est mes amis proches, des choses comme ça. Mais si tu veux, je cherche pas. Voilà, je trie un peu les gens que je prends là-dessus, tu vois, qui sont des gens que je connais vraiment. C'est pas. Le TikTok, c'est le truc où je mets un peu plus de choses visibles. Partout à chacun qui veut regarder ce que je fais. Et, bon, Insta aussi, hein, Instagram, c'est, bah, c'est Jomo Style. Hein, et puis voilà. Donc, j'ai un Facebook aussi avec Jomo Style. C'est plus sur, vraiment sur la mode alternative, choses comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles la mode alternative? Ah bah, j'en sais rien, écoute, parce que tu sais, je suis quelqu'un, je n'aime pas les dénominations, les cases et les trucs. Et donc. Ouais, la mode alternative, c'est-à-dire, bah, si tu veux, moi, comme tu peux le voir, j'ai un style un peu particulier, enfin particulier, oui et non, parce qu'on est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers dans le monde partout à avoir un peu ce style, même si c'est pas ce qu'on voit le plus quand si tu fais 100 mètres dans la rue. Et donc, c'est un style qui est pas forcément dans la mouvance, voilà, pour un homme, tu vois, je prends un chemin de traverse, voilà. Donc c'est effectivement et puis comme c'est un peu c'est assez un peu dark, un peu gothique, un peu machin, un peu tout ça, donc c'est un peu, ouais, c'est les styles alternatifs, tu vois. Puis j'ai déjà fait ponctuellement en mannequinat. Ça me choque pas énormément parce que quand tu connais le Japon et tout ça, où eux s'habillent à peu près n'importe comme ils veulent et tout, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Oui, non, c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Mais simplement, ce qui est nouveau en ce moment, c'est qu'avec les réseaux sociaux qui prennent une grande ampleur sur la population, si tu veux, maintenant, ça commence à être visible un peu partout, tu vois. Donc, c'est ça qui est rigolo. Tu me parles d'ailleurs du Japon, où les gens sont assez open avec ça, il n'y a pas de problème. Par contre, en France, si tu veux, tu as aussi énormément de gens qui sont open avec ça, qui n'ont pas de problème, ou qui s'en foutent aussi, tu vois, complètement. Hein. Et puis, alors, tu as toute une catégorie de gens, tu sais... sont la plupart du temps, c'est des gamins, tu vois, qui ont pas d'éducation, rien, ou alors qui ont dans la tête ce qu'on leur a mis quand ils étaient gosses, et tu vois, et puis ce qui est dans la gueule des copains, on répète, et c'est tout, tu vois, donc voilà, c'est juste ça ce qui se passe. Donc, on est confronté à ça, mais effectivement, je pense que c'est les réseaux sociaux qui font qu'il y a le plus de visibilité pour nous, quoi, tu vois, donc moi j'en profite aussi, parce que c'est aussi un petit peu de l'éducation, parce qu'il y a un moment, tu vois, c'est pas tout de dire, ah ouais, mais... tu sors, tu te fais insulter peut-être. Enfin, ça m'est très très peu arrivé, mais il y a des gens, tu vois, qui se font insulter. Bon, il y a un moment où tu te fais insulter, tu peux pleurnicher, mais il y a un moment où il faut y aller, tu vois, il faut montrer que ça existe et puis il faut faire le boulot. Il ne faut pas juste te plaindre que les autres ne t'acceptent pas. Donc voilà, je fais un peu de travail de pédagogie, je montre que c'est possible. Alors, il y en a qui font lui, machin. Bon, et puis, il y a aussi des gens qui. Ah ouais, tiens. Et tu vois, et j'ai eu notamment des amis qui m'ont dit, bah, ça a été un très bon sujet, j'ai montré ton Facebook, ton truc, ton machin à mes gamins qui ont posé des tas de questions, et puis ça a permis de leur expliquer ce que c'était que la tolérance, qu'il y avait des gens de tous les styles et qu'il n'y avait pas de raison de se foutre de leur gueule ou autre chose, quoi, tu vois. Donc voilà. C'est une belle façon de penser, j'aime bien. Bah écoute, c'est gentil, merci. En tout cas, voilà, c'est la mienne. Je sens que t'as une âme en or, toi, comme Cédrine. Vous avez tous les deux la même âme. Donc, je change, je vais avoir mon deuxième coup de cœur, les gens, très très vite. j'adore ta façon de voir les choses. Voilà, de ne pas rester enfermé dans une bulle, de ne pas avoir des œillères comme un cheval où tu te fais juste t'avances sans rien regarder autour. Non, j'aime bien ta façon de penser. Du coup, on va s'intéresser un peu plus à toi, on va s'intéresser à tes genres, justement, à savoir quel genre de musique, quel genre de film tu aimes, quel genre d'humoriste, tout simplement. Alors là, tu vas peut-être là, ça va être très particulier parce que tu vas voir que je suis un ringardo sa mort sur ces sujets-là. Mais j'aime beaucoup de choses, presque tout, on va dire, sauf tout ce qui est extrême. Bah, t'enlèves tout ce qui est extrême, que ce soit côté électro, côté métal, côté machin, tout ce que t'enlèves tout ce qui est vraiment extrême et tout ce qui est un petit peu, cool. Moi, ça me va. Donc ça peut aller du jazz, du blues, du rock, du métal, tant que c'est pas les super métal, hardcore, enfin je sais même pas comment ça s'appelle, tu vois, mais il y a des moments, voilà, tout ce qui est extrême, et c'est pareil en électro, tu vois, j'adore la house,
certains trucs tech, trans, tout ce que tu veux. Par contre, effectivement, tous les blam, 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 voilà, j'ai un peu de mal. Donc le R&B, j'aime bien, il y a plein de choses que j'aime bien. Hip-hop, quand ça tire trop vers le rap, un peu vindicatif, j'ai un peu de mal, tu vois. J'ai un peu de mal avec les contestations permanentes et toujours les mêmes, si tu veux. Sans... Alors, après, si tu veux, tu as des gens aussi qui sont super positifs dans le rap et tout, donc ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que j'ai tellement vu de rap un peu, c'était fuck la police, fuck machin, tout ça. Il y a un moment, oui, passer à autre chose, quoi, tu vois. Mais non, en musique, tu vois, je suis très éclectique, tu vois. Mais on parlait de guitare, moi, tu vois, c'est Gilmour, c'est Knopfler, c'est des gens comme ça. Et puis ça peut être aussi des harpistes comme Andrés Vollenweider, ça peut être aussi du Jean-Michel Jarre, ça peut être plein de gens, ça a de la variété française, de la variété internationale, de tout, quoi. Mais effectivement, disons que je suis pas fan des trucs genre Aya Nakamura et les rap, ce que j'appelle la Sky Dope, tu sais, les rap autotunés formatés pour rentrer dans la tête des gamins à pas cher. Donc voilà, ça, je suis pas fan. Voilà. Et le reste, tu vois, voilà. V'là tout. 100%, hein, 100% certifié Yogi, je kiffe ce mec, les gens. Je kiffe ce mec, on a exactement la même façon de penser. Ça peut arriver, moi, pendant une semaine, je vais écouter du hard metal, et puis la semaine d'après, je vais écouter du ABBA. Ouais, puis la semaine d'après, j'ai écouté de la musique classique. Et voilà, ce sont mes envies, selon ce qu'il y a. Salut Emma, tu vas bien ? Dans mon métier, il y a un truc qui m'a vachement ouvert à la musique, en fait, et à différentes musiques. C'est que, notamment quand tu commences, si tu veux, tu choisis pas forcément avec qui tu travailles, et tu es amené à faire de l'éclairage pour des concerts, tu vois, des concerts gratuits du coin, où tu as des artistes quelquefois un peu has-been qui viennent faire un concert gratuit, un truc comme ça. Donc, bon, et puis alors tu te dis, tu vas faire l'éclairage de machin et tout. Et puis tu écoutes et tu t'aperçois que d'abord, c'est des artistes qui arrivent à mettre 7000 personnes devant eux, de gens heureux, qui sont contents, tu vois. Et puis du coup, tu es obligé d'écouter pendant 1h30 leur machin, tu vois, qui ne t'emballe pas. Puis tu te dis, bah ouais, c'est pas ma cam, mais on respecte parce que il y a du boulot et puis les gens sont contents. Dis donc, tu vois. Donc tu t'intéresses à plein de choses et finalement, tu ne te contentes pas simplement d'aller vers la facilité des sons que tu aimes de façon instinctive et tu écoutes d'autres trucs, tu vois. Quelquefois, moi, j'ai fait des concerts de jazz ou des trucs comme ça. Le jazz, machin. Et puis tu écoutes parce que là, tu étais bloqué devant le machin pendant 1h30. C'est pas mal et c'est fort. Et puis le batteur, là. Donc tu vois, ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup aidé d'évoluer dans le milieu culturel et le milieu du live. C'est quelque chose qui est très, très formateur, je trouve. D'accord. Tu vois, quand je t'avais dit que t'allais être en confiance et puis que t'allais aimer le tiki, toi. Oui, mais je te dis pas que j'aime pas. Je te dis que je connais pas bien et que je suis pas forcément toujours à l'aise avec le fait de parler comme ça. Avec un public en plus que j'ai du mal à estimer là, parce que je me rends pas compte tellement comment ça se passe. Donc, voilà. Alors vu que tu as une variété de musique comme tu nous le disais, quelle est la radio que tu écoutes le plus ? Alors j'écoute pas vraiment la radio. J'écoute pas. Pardon ? Non, je parle en même temps à mes abonnés, ceux qui arrivent aujourd'hui. La radio, je t'avouerais que je j'écoute pas vraiment parce que j'ai quand même une aversion de plus en plus forte pour tout ce qui est publicité. Et j'ai un peu de mal avec les radios qui te baissent des intros, qui te niquent les fins de morceaux, et puis qui de toute façon sont capables de te le couper en plein milieu parce que c'est l'heure de la coupure pub. Donc, de temps en temps, il m'est arrivé d'écouter la radio quand j'étais en bagnole, mais je passe mon temps à zapper parce que ça commence à être de la pub, machin. Donc, la radio, voilà. Et t'es comme moi, toi, la télé, pareil. La télé, ça t'intéresse plus de regarder. Ouais, c'est un peu, puis là, ça devient de pire en pire avec les pubs. Salut Camilleuse. Voilà. Donc, ouais. Je suis exactement pareil. La radio, ça commence à me. Comme pareil, on dit sur YouTube, ouais, surtout n'installez pas Adblock, machin. Je l'utilise à mort. Mais les pubs, il y en a ras le bol. Studio, moi, il y a un truc qui me sidère parce que j'ai des potes qui ont évolué dans le milieu de la radio, qui ont été animateurs radio, etc., et qui le sont toujours d'ailleurs. Et c'est quand même assez incroyable parce qu'on les formate à travailler d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu dois parler, tu dois calculer pour parler pendant l'intro, tu vois. Tu arrêtes une demi-seconde avant que le mec se mette à chanter. Et on leur explique comment complètement manquer de respect à l'œuvre qui diffusent, parce qu'ils n'ont rien à foutre, tu vois.
Et ça m'énerve vraiment, vraiment, vraiment. J'aime pas ce qui est formaté. J'aime pas un truc qu'on fait pour dire ça va marcher parce que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, c'est même le principe de TikTok. Tu as des tutos qui disent si vous voulez percer, il faut faire ci, il faut faire ça. Je m'en fous. Tu vois, il y a un moment. Alors, ça, si c'est un business, c'est un business. Mais si tu fais plus rien d'intéressant juste parce que tu dois rentrer dans un format et faire les choses comme on te dit qu'il faut les faire, ça devient n'importe quoi. Tu vois, alors quand c'est du business, ok, mais quand ça touche à l'art, si tu veux, ça me pète les couilles. Tu vois, ouais. Tu vois une chanson non, qui passe pas en radio parce qu'elle fait 4 minutes 33 au lieu de faire les 3 minutes qu'il faut. Et dans les 3 minutes, on lui baise encore 30 secondes avec de la parlotte et de la pub. Voilà, tu vois. Donc ça me dérange un peu. Bon, je te coupe tout de suite parce qu'il y a une pub justement qui va passer actuellement là. Je plaisante. Je plaisante bien sûr. Ok, attends, c'est vachement intéressant de parler avec toi en plus. Et tu expliques bien les choses. Merci Cédrine de m'avoir fait découvrir Jomo. Tu m'as fait un beau cadeau là, très très beau cadeau. Pourquoi ton pseudo? Ah bah c'est en fait si tu veux mon nom mon prénom c'est Jocelyn et mon nom c'est Morel, voilà, donc c'est Jomo, c'est les deux premières syllabes de mon prénom et de mon nom, et c'était un pote qui m'avait surnommé comme ça, donc c'est resté Jomo. Et Jomo Style parce que c'est parti de mon blog que j'ai sur Facebook, la Jomo Style, qui est sur la mode alternative masculine, androgyne, tout ce que tu veux. C'est le style, quoi. Le style Jomo. Voilà, c'est comme ça. Voilà les gens d'exclusivité sur la chaîne de Yugin. Vous savez pourquoi il s'appelle maintenant Jomo Style. Voilà. Pourquoi ta photo de profil? Pourquoi? Pardon? Pourquoi ta photo de profil? Pourquoi ma photo de profil? J'ai pas compris. Alors, ouais, c'est ça. Pourquoi t'as mis cette photo de profil? Parce que il en fallait une. Donc j'ai choisi dans ma pellicule une où on voyait ma bouille correctement. Mais voilà. Il n'y a pas de raison. On va regarder plus près, mais elle est assez stylée en plus. Hein. Ah bah, c'est toi qui l'as pris ou t'as un côté photographe ou tu je sais plus. Non, mais alors je fais aussi modèle occasionnel pour de la mode alternative, pour la mode body positive, on va dire, parce que je suis quand même très costaud. Oh, attends. Là, faut que je t'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'extrêmement grave dans le live. Je peux pas laisser passer ça. Ah bon? Au coco, je vais même pas te répondre parce que la maladie, c'est même pas Jomo, c'est toi la maladie. La maladie que tu as, mec, c'est t'es enfermé, comme on dit, dans une bulle, mais dans une bulle de merde, tu vois. Tes parents, ils ont lâché des caisses, et toi, t'es resté enfermé dans cette bulle. Voilà, j'en dis pas plus, au mot, le coco. Tu mérites même pas que je perde du temps avec toi. Donc je vais te dégager, mais direct. Hop, excusez-moi, mais des paroles comme ça, voilà, la meilleure façon de t'affronter, c'est ma ignorance. J'ai pas vu ce qu'il s'était dit, mais peu importe. Alors, je te dirai même pas. Je te dirai pas ce qu'il a dit. Sur les réseaux sociaux, enfin essentiellement sur TikTok, parce que sur Facebook, j'ai que des gens à qui je m'entends bien. Ça n'empêche pas d'avoir 5000 amis, mais peu importe. C'est des gens, voilà. Mais effectivement, sur TikTok, alors c'est toujours assez rigolo parce que tu as toujours des mecs qui vont venir ah ouais, t'es naze, t'es machin, t'es tout. Alors, tu t'aperçois que la plupart du temps, c'est des mecs qui sont rien du tout. Ils ont 15 ans, ils font rien dans leur vie. Ils seront toute leur vie des boulets. Et ils viennent m'emmerder et me donner des leçons de vie à moi, qui ai 43 ans, qui suis en couple. Ben, apparemment, ils viennent chez toi. Un boulot qui est bien payé. Enfin, bon, bref, tu vois, c'est assez rigolo toujours. Apparemment, ils viennent chez toi. Bon, bah, écoute, tant mieux. Donc, mais non, alors, ces personnes-là, j'en parle même pas, j'ai des gages, et puis terminé. Ah ben, moi, c'est très simple, tu vois, les mecs qui viennent me faire un commentaire pourri, je supprime et je bloque, et puis voilà. Donc, quand il y a un truc sur mes TikTok, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y en a qui en laissent partout, parce que plus ils ont de commentaires, plus ça leur fait de vues et de machin et de trucs, bidule. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens intéressants. Donc, un mec qui vient me dire « péter des haïrs » ou « ta gueule » ou machin, etc., ou « t'es trop moche » ou machin, bah, je supprime, mais je m'en ai rien à foutre, tu vois. Il y a un moment, c'est comme t'as un moustique sur ton bureau, voilà, hop, suivant. Il l'écrase. Là, hein. Donc, je rappelle les gens que dans le live, hein, les règles sont très simples, hein. Respect. Pas de troll, pas de spam et pas d'insultes. À partir du moment que vous discrétez, c'est quatre règles,
vous dégagez, tout simplement. Et mes modos, je leur fais 100% confiance. Donc, si à partir du moment qu'ils vous dégagent, c'est même pas la peine de venir pleurer après pour que je vous débloque ou que ce soit. Si mes modos ont décidé de vous dégager, ou moi-même, j'ai décidé de vous dégager, vous ne revenez plus jamais. Point barre. On peut déconner, mais attention à ce que vous dites. Tout simplement. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé tout à l'heure, hein, mais je pense que c'est important de rappeler les règles de temps en temps. Maintenant, on va attaquer un petit jeu qui s'appelle Si tu étais, donc c'est sous forme de portrait chinois, c'est-à-dire que je vais te poser des questions un peu bizarres, et à partir des réponses que tu vas me donner, je vais tenter de cerner ta personnalité. Quand je vais te poser la première question, tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite comment ça marche. Si tu étais un aliment, tu serais quoi ? Je sais pas, un poisson. Un poisson. D'accord. Ouais. Quel genre de poisson ? Un cabillaud. Un cabillaud. Un bon poisson, c'est un. Ouais. D'accord. Ok. Donc toi, bah oui, tu vas me dire Yogin, c'est facile, mais toi, t'es pas dans la norme. Même au niveau gustatif, t'es pas dans la norme. Bah, tu m'as posé une question, je me suis jamais posé cette question-là, je te réponds du tac au tac, tu vois. Ouais, mais toi, t'es... même au niveau des goûts, tu manges pas comme tout le monde, t'aimes bien faire des mélanges un peu bizarres. Le poisson, c'est un mélange un peu bizarre. Non, pas forcément le poisson, non, mais juste, je pense qu'au niveau gustatif, t'aimes bien tester des nouveaux trucs. Bah, ça dépend, parce que je suis assez difficile, en fait. J'ai un gros problème avec les légumes verts, j'en supporte aucun. J'aime pas les champignons, j'aime pas. Il y a plein de trucs que j'aime pas, donc c'est pas forcément... Non, je suis assez classique dans mes goûts, en fait, mais... On te propose une nouvelle recette, tu t'es pas le mec de genre à goûter, quoi. Bah, ça dépend quoi, parce que je veux savoir avant ce qu'il y a dedans, parce que si tu me proposes avec des ingrédients que j'aime pas du tout, c'est direct non quoi. Mais, oui, mais si le mec il arrive à te faire une recette sans te dire ce que c'est et qu'il arrive à te faire aimer. Ah, mais pourquoi pas. Mais par contre, je vérifie avant parce que je t'explique. Quand je te dis qu'il y a des choses que j'aime pas du tout, c'est au point de faire un vomito direct. Donc si tu me sers un truc, un plat où il y a un petit poids dedans et que j'arrive à le sentir, je peux te garantir qu'il y en a partout sur les murs. Donc par correction, je préfère demander avant ce qu'il en est. Mais j'ai été traumatisé D'accord. quand j'étais gosse par les nanas de la cantine qui voulaient me faire bouffer absolument des légumes et qui me forçaient à mort et tout. Donc là maintenant, c'est une réaction immédiate et définitive. Malheureusement, ça m'arrangerait carrément mieux de manger des légumes. Mais spécial bon. Dédicace à Manounou qui me forçait à manger des petits pois alors que je déteste ça. Et maintenant, ma femme, quand elle décide d'en manger avec mon fils, je ne mange même pas dans la même pièce qu'eux. Parce que je comprends tout à fait ce qu'il dit. Rien que l'odeur, j'ai envie de gerber. Ah ben, il y a des tas de trucs comme tellement ça. Hein. Moi, tu me cuisines de la cervelle, du foie de veau, des rognons. Là, il y avait ma chérie qui a fait des petits pois ce midi. Je pouvais pas rentrer dans la cuisine quasiment, tu vois. C'est des odeurs que je peux pas supporter. Donc, voilà. Si tu étais un dessert. Alors le problème, c'est qu'on a tendance à te répondre par quelque chose qu'on aime, si tu veux. De là, l'être, c'est encore autre chose. J'ai envie de dire une gélise, tu sais, une gélise à la framboise. J'ai découvert ça en tournée, ouais. En étant en spectacle aux États-Unis. Et là-bas, t'as ça comme nous, on sert des yaourts ici. C'est génial. C'est des gelées en fait de fruits. C'est pas calorique, c'est pas trop sucré, étonnamment pour un truc américain. Et ça, c'est extraordinaire. J'aimerais bien être ça. C'est rigolo. Ça. C'est quelque chose que tu connaissais pas avant ça. Ah non. Donc ça confirme ce que je viens de te dire juste avant. C'est de la gelée, hein. Donc c'est. Je suppose qu'on doit trouver ça quelque part aussi, mais alors j'en achète sur les magasins américains maintenant de temps en temps parce que c'est super rigolo. Mais voilà, non, une gélise, ouais. Si j'étais un dessert, ce serait ça. Parce que c'est très rigolo, c'est très coloré. C'est... Repense à ce que je t'ai dit tout à l'heure, la première fois. Repense à ce que je t'ai dit. C'est-à-dire. Tu aimes découvrir de nouvelles recettes. Tu aimes découvrir nouvelles choses. Non, mais après ça, si tu veux, c'est pareil. C'est un truc de gosse. Quand tu découvres un dessert fruité, luisant, visiblement sucré, etc., tu goûtes, quoi. Bon, après ça, si ça a le goût d'épinard, effectivement, tu craches tout de suite. Mais tu vois un machin strawberry, bidule, tout, bah ouais, il n'y a pas trop de surprise quand même, tu vois.
Je t'arrête. Attends, je fais une petite aparté. Comme ça permet de pouvoir discuter aussi avec nos abonnés dans les chats pour montrer qu'on les oublie pas non plus, Oui, qu'ils sont alors là, parce que ouais, je regarde on pas leur trop répond aussi. malheureusement parce que Alors, j'ai mal à me Zigbis, si concentrer t'as sur. le malheur de toucher ne serait-ce qu'un poil, un cheveu de Cédrine, je te dégage mes fissas. Que tu sois modo ou pas, on touche à Cédrine, ça le fait pas. Même pour Oui, déconner. c'est vrai que c'est très vendeur. Si tu étais un film. Un film? Oh, si j'étais un, si, alors, ouais, si j'étais, bah, je vais dire aussi un film que j'adore. Bah, allez, je vais dire Les Tontons Flingueurs. Voilà, par exemple. Mais si Tonton j'étais, Flingueur, d'accord. ah ouais, non, mais moi, alors au niveau cinoche, je suis archaïque au possible. Enfin, archaïque. Moi, je trouve ça formidable. Donc, je peux pas, je veux dire archaïque, mais point de vue général, d'abord, je suis pas du tout cinoche. Tu vois, j'aime pas aller au ciné, ça me saoule. Mais par contre, ouais, moi, c'est Les Deux Funès, c'est ouais, les Audiard, c'est tous ces trucs-là. Tu vois, ça, je suis fan. Même les séries policières qui craignent un peu, mais que j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup de choses, mais pas, effectivement, les films de science-fiction, les films à la française, les films machin, etc. Donc, moi, je suis plutôt en film français, c'est plutôt ouais, Gérard Oury, tu vois, Audiard ou Molinaro, tout ça, enfin, tu vois. Et puis en film anglo-saxon, ouais, je dirais quelques classiques ou quelques machins, effectivement, Terminator, des trucs comme ça, tu vois, je suis pas. Ça va, mais je suis pas du tout au courant des derniers films qui sortent. C'est assez rigolo parce que souvent, tu as des gens qui parlent, ah, t'as vu, il y a machin, tel acteur. Une telle actrice qui a fait ceci, qui s'est mariée avec Bazar et tout, j'ai jamais entendu parler de ces gens-là, tu vois. Bon, je suis absolument Ouais, et complètement alors, ça déconnecté du rapporte monde quoi du ma vie? cinéma. Donc, ouais. D'accord. Là-dessus, Ok. ouais. Donc, Pareil pour les Tonton séries, tu vois, Flingueur. moi, je suis Tu bloqué sais sur Tremblay, que sur je vais avoir un Inferno, sur. invité. Excuse-moi. Tu sais que je vais avoir un invité spécial samedi. Quelqu'un qui maîtrise le langage à la Audiard. Ah. On peut même dire spécialiste du langage à la Audiard. Je sais pas si tu connais Tango Strong. Ça te dit Non. rien? Eh ben, c'est un mec, si tu veux, qui répond à ses détracteurs ou même dans sa façon de parler. C'est à la Audiard. À la Audiard, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il parle, il y a plein d'images qui vous viennent dans la tête. C'est, par exemple, au lieu de dire, putain, je me suis pris une balle dans le corps, on va dire, ah, je me suis pris un coup de piano dans le buffet. Voilà. C'est ça, à la Audiard. C'est très Ouais. imaginatif. Donc, toi, tu vois, tu es quelqu'un qui aime beaucoup, avoir, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, toi, en fait. Bah ouais, puis c'est mon boulot. Parce que moi, c'est un peu ça aussi, tu vois. Non, moi, mon travail, c'est d'être créatif, donc à tout niveau. Donc effectivement, j'essaie d'exploiter ça dans tout ce que je fais. Ça se ressent. Mais tu vois, il y a aussi tout et son contraire. Parce que quelqu'un de créatif, c'est Salut, aussi Vivi. quelqu'un qui se nourrit de plein de choses, qui lui arrive des nouveautés dans tous les sens, etc. Et moi, je suis pas toujours dans la frénésie de tout ce qui arrive de nouveau, etc. Donc, j'ai toujours, alors tu vois, je suis sur les réseaux sociaux, tout ça, mais j'ai toujours un petit peu de mal avec le fait de toujours de swiper en permanence, etc. Même pour la musique, tu vois, moi je suis encore, il m'arrive encore d'acheter des albums ou de les acheter sur Internet en téléchargement légal. Et les streamings et tout ça, moi ça me sort par les yeux. Moi, quand je veux acheter un album ou un truc, je veux l'acheter et puis l'avoir à moi, pouvoir l'avoir, le mettre. Quand j'ai envie, et même dans 10 ans, quand s'il y a un conflit entre les plateformes Bibou et J'ai encore machin, des de CD voir quand je physiques. veux, tu vois. Je veux pas un truc comme les gamins, tu sais, ils ont des trucs, ils l'ont dans leur téléphone, ça tourne 5-6 fois, après ça, ils le jettent, ils prennent autre chose, c'est consommé comme du papier chiotte, et ça, je supporte pas. Donc, je vais plutôt vers quelque chose qui m'intéresse et l'exploiter tranquillement, plutôt que de recevoir une multitude d'infos de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui arrive toutes les 5 minutes, de finalement de tout zapper et passer à autre chose très vite, quoi. Donc, je ne suis pas comme ça du tout. Là, j'ai effectivement beaucoup de mal avec ce genre de comportement. Mais je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Comme je disais, oui, moi je suis encore entre. Tu J'achète, je payes Bibou préfère là, ouais, acheter des mais. CD physiques que de télécharger. Voilà, dans ma bagnole, moi c'est le bon vieux radio machin. Il y a même pas d'USB. Moi j'aime bien ma truc. J'aime bien mettre mon CD dedans, avoir ma pochette et tout le bordel. Moi je suis Ah voilà, bah je suis ouais. encore dans ce monde-là, moi encore. Ben, Et voilà, j'entends bien. ça permet de soutenir. Ça permet en plus de soutenir l'artiste. Alors tiens, je Décidément, me on a permets beaucoup de de faire points une communs. petite aparté C'est 10 adorable. secondes.
Parce que je vois des gens là qui commandent des trucs, et des gens qui sont du pays Bigoudin, etc. Alors je passe une petite annonce en 10 secondes. Je cherche depuis un an et demi une maison pour moi. Je voudrais acheter là-bas parce que je suis de là-bas d'origine, région Pont-l'Abbé, Loctudy, etc. Donc si jamais il y a des gens qui ont des connaissances dans l'immobilier ou de maisons à vendre par là avec des critères un peu particuliers, qui n'hésitent pas à venir en MP me voir et on en cause. J'ai besoin d'un coup de main là en ce moment, c'est la panique totale. L'immobilier, je ne vous dis pas comment ça se passe en ce moment avec le Covid, avec les Parisiens qui achètent tout à tour de bras sans même visiter, les prix manquent de 15%, il n'y a plus rien à vendre, c'est une horreur. Donc là, on est en grosse dépression. Mais bon, bref, voilà. C'était un petit appel à nos amis bretons qui peuvent nous regarder. S'il y a des tuyaux en immobilier en pays Bigoudin, je ne suis pas contre. Voilà. L'annonce est lancée, hein, même dans le chat. Si vous connaissez quelqu'un donc, qui s'y connaît en promoteur ou un truc comme ça, bah, n'hésitez pas à aller contacter Jomo. Ok. Si tu étais un pouvoir. Un pouvoir. Alors. Celui de la téléportation. Tu vois, fou, je ne suis plus là, pouf, l'appareil, je suis ailleurs. Ça serait un pouvoir extraordinaire. Parce que me déplacer, et en plus, dans mon métier, je passe mon temps à me déplacer. Tu vois, je passe ma vie dans les trains, dans les avions, dans les tourbus. Et puis, me déplacer, et prendre du temps pour me déplacer, c'est un truc qui m'agace profondément. Donc, si j'étais ce pouvoir-là, j'aimerais bien l'incarner, effectivement, parce que ça me simplifierait la vie. D'accord. Donc en général, ceux qui choisissent la téléportation, c'est des gens qui sont pas du genre à rester chez eux. Ils passent leur temps à voyager. Par contre, moi je t'aurais dit ça, mais par contre, vu que je sais que par rapport à ton métier, tu voyages énormément et tout, justement, toi, ça pourrait se produire à l'inverse. C'est-à-dire que le fait que tu voyages beaucoup, peut-être trop, tu as envie d'avoir ton propre chez toi. Ah mais alors carrément. Alors, j'ai mon propre chez moi qui actuellement me convient pas parce que j'ai pas assez de place pour faire tout ce que je veux faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on cherche à déménager. Et en plus, me rapprocher de ma région. Parce que pour le moment, je suis sur l'île, hein, tu vois. Pardon ? Non, je dis bonjour à ceux qui arrivent. Je suis dans le nord à Lille pour le moment, bah, depuis que je suis tout petit d'ailleurs. Et donc, je cherche à me rapprocher de ma Bretagne, de mon pays Bigoudin. Et là, justement, j'aspire à avoir ma maison, une maison assez grande où je peux se faire mes affaires, mon studio, stocker mon matos, mes affaires, être tranquille, tu vois. Et effectivement, alors ça ne me dérange absolument pas. J'aime bouger, voyager partout, etc. Mais j'aime aussi mon chez moi, effectivement. D'ailleurs, la téléportation, c'est bien pour passer de l'un à l'autre sans perdre de temps. Donc, voilà, tu passes plus de temps d'un côté et de l'autre, plus qu'au milieu. Voilà. Tu vois, j'ai envie d'aller à Tahiti aujourd'hui. Hop. Oh, il fait un peu frisqué. Tiens, on va l'ailleurs. Mais non, c'est ça, en fait. Un petit claquement de doigts, et voilà. Si tu étais un élément à de l'eau, je dirais, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime la mer, j'aime la flotte, j'aime l'eau. L'eau, c'est un élément moi qui me fascine en plus. Donc, ouais, carrément. Ok, de l'eau. Mais des chutes d'eau, toi. Un courant très fort. En général, on a l'impression que tu es quelqu'un de calme, mais tu peux t'exciter très facilement. Enfin, t'exciter. Ah ouais, ouais. C'est pas. Attention, les gens, n'imaginez pas le mot excité, voilà. Mais je veux tu es du genre à t'emballer très très vite. Pas à t'énerver, mais à partir dans le délire extrêmement vite. Ouais, tout à fait. Ah ouais, ça c'est certain, ouais. J'ai même envie de dire qu'en général, c'est pas toi qui fais les conneries, c'est pas toi qui suis les conneries, c'est toi qui commence à les faire, en fait. Ouais, je sais pas. Je suis déconneur, mais je suis pas un meneur de ce truc-là. Par contre, ouais, s'il faut pousser la boule, t'es pas le dernier, on est d'accord. Ouais. Si tu étais un animal. Un animal. Ouais. Je sais pas. Un chien, je vais dire, parce que j'aime bien les chiens. J'ai un petit chien adorable, et puis je m'entends bien avec ces bêtes-là. Je me sens pas être un chien, en fait. Donc, non, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais être comme animal ? Moi, j'ai le physique un peu plus de l'éléphant ou de l'hippopotame, mais je sais pas. Pour la mémoire. Alors, tiens, je vais te dire une chouette, parce qu'en plus, il y a eu un bazar sur TikTok, tu sais, un trend de là où il te faisait faire...
osciller la tête et puis disait l'animal qui te correspond. Et puis c'est, je suis sorti, c'est la chouette qui est sortie pour moi. Et j'aime bien les chouettes. J'adore, c'est rigolo comme bête. Donc je vais dire la chouette. D'accord. Et la chouette, c'est signe de sagesse. Très probablement. Et vu tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, oui, t'es quelqu'un de sage. Ouais. Alors là-dessus, ouais. Je pense que c'est une des qualités que j'ai au moins, c'est d'être. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable, d'assez. Enfin, ça dépend pourquoi. Enfin, bon, bref. Mais je suis pas quelqu'un. Je suis pas joueur avec des choses où il y a un enjeu, où il y a un danger, tu vois. J'aime pas mettre les gens où, tu vois, quand il y a un danger, j'aime bien une folie ou mais qui est calculée, tu vois. Quoi que je fasse, il y a un plan B quelque part, il y a un truc, il y a une solution, il y a un filet que j'organise, tu vois, pour pouvoir déconner tranquillement, justement, tu vois. Mais j'aime pas sauter dans le vide, ça c'est certain, tu vois, donc je suis assez raisonnable. Avant de sauter dans le vide, tu t'assures qu'il y a bien un parachute ou au moins quelque chose. Exactement ça. Ou voir qu'il y en a deux. Alors, j'ai Emma qui m'a dit « Le créatif fait partie de nous quand on touche au culturel, sinon ça devient de l'industriel. » Exactement. Ah, ça devient de l'industriel à partir du moment que tu en abuses. C'est-à-dire qu'une musique peut être excellente quand tu l'entends une ou deux fois dans la journée, mais quand tu l'entends qu'à soi, ça gâche tout. On fait pas honneur à l'artiste. Ouais, et alors tu vois, moi il y a aussi un truc dans l'univers de la musique qui me scandalise et qui m'énerve prodigieusement, c'est ce qu'on appelle le commercial. Alors attention parce que qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Je vais te donner un exemple pour illustrer ça. Il y a quelques années, quand je travaillais dans le milieu des discothèques, il y a moultes années, et que je mixais aussi de temps en temps pour m'amuser, donc j'allais voir les disquaires. Et puis, je me souviens que j'avais été voir mon disquaire une fois, et puis j'avais demandé les sélections du moment, des trucs sympas, tu vois, et puis il me passait une pile de vinyles comme ça, que j'avais écouté derrière, tu sais, pour les choisir et tout. J'en ai pris quelques-uns, donc je me souviens qu'il y avait un truc, c'était BBE, donc par un producteur ici, qui était en Belgique, pas loin, que je connais bien, enfin bon, bref. Et puis, ah ouais, ça c'est de la balle, machin, tout ça, ok, je l'achète le disque. Et puis, il y a quelqu'un qui me l'a flingué, ce disque, tu vois, je sais plus s'il a été rayé, j'étais amené à le racheter. Donc genre 6 mois après, je retourne voir mon disquaire, je lui dis, tiens, la semaine dernière, ils m'ont niqué mon BBE, machin, tu peux me le refiler. Et là, le mec, non, mais ça c'est du commercial, tu n'as pas trouvé ça chez nous, parce qu'entre deux, ça avait fait un carton, tu vois, ça passait au top 50 bientôt, donc maintenant, il chiait dessus. Tu vois, 6 mois avant, ah, ça, c'est la balle, tu vois, c'est terrible, c'est magnifique, le son, tu vois, c'est produit, c'est machin qui l'a fait et tout. Et puis, 6 mois après, tu vois, c'était, ah, mais c'est de la merde, ça, c'est de la dance, on fait pas ça, nous. Tu vois, et ça, c'est un truc qui m'énerve, parce qu'en fait, si t'es un musicien qui ne crève pas de faim dans sa cave, en fait, t'es qu'une merde, en fait. Alors, le côté commercial, si tu veux, je relativise maintenant, tu vois. Il y a le côté, on fait de la musique, cahier des charges, formaté, et ça m'insupporte, mais il y a le côté aussi. C'est pas parce que quelque chose a du succès que c'est forcément de la merde, quoi. Très bonne réponse, très très bonne réponse. Et je vois très bien la scène en plus. Bah ouais. Je vois très très bien la scène. Coucou Céline, comment tu vas? Attendez, je regarde les messages. Alors Emma qui participe au Tiki Toi avec toi, qui répond aussi aux questions. Emma, attends, bouge pas Emma, je suis en train de regarder. Emma, oui, malheureusement, tu ne peux pas participer au Tiki Toi, mais c'est bien que tu répondes aux questions. Alors, elle a répondu l'eau aussi, celle de l'océan. D'accord. Et elle serait une orque. D'accord, une orque. Donc, c'est quelqu'un qui vit, qui n'est pas bien. Emma, tu ne. Comment je pourrais te dire? Tu es quelqu'un qui n'aime pas la terre, comme on peut dire. Tu préfères plutôt voguer sur les océans, partir dans l'inconnu, plutôt que de créer ton propre chez toi. Le fait de rester tout le temps au même endroit, Emma, ça te t'aimes pas ça. Faut que tu bouges. Faut que tu bouges tout le temps, en fait. Tu me dis si j'ai raison ou tort, hein, Emma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, écoute, sinon, bah, si on se dit bonjour les uns les autres. Je vais bien, Céline, je vais très très bien. Salut Jessica, salut. Salut à Lucas. Donc, on est en compagnie de Jomo Style qui participe au Tiki Toi. Je me permets, là, j'ai un de mes abonnés là, qui fait une réflexion tout à fait juste. Toute musique est à apprécier selon son degré de sincérité.
Et c'est exactement ça, parce que quelque chose qui est formaté et fabriqué pour fonctionner, pour rentrer dans la tête des gens, c'est pas sincère, c'est un business. Voilà. Donc ça, c'est très juste. Voilà. Et j'ai Emma qui me confirme. Merci. Et ben voilà. Si tu étais une citation. Oh, la dernière phrase de Jeanne d'Arc qui disait « Je rigolerai qu'il pleuve ». Voilà. D'ailleurs, je rappelle, est morte à Orléans et qui s'est éteinte que 3 heures après. Mais oui, exceptionnel, cette chère Jeanne. Elle s'est enflammée sur scène, c'était impressionnant. Ah oui. Ouais, beaucoup de succès. Enfin, ouais, sa meilleure prestation, voilà. Non, meilleure prestation, Orléans. Voilà. Ah, elle a mis le feu partout, partout. Ah oui. Pardon, excuse-moi. J'adore l'histoire. Jeanne, si tu me regardes. Si tu étais un instrument de musique. Oh bah écoute, une guitare, parce que voilà, ça je connais. Quoi. Enfin non, il y a plein de choses. Tu vois, je joue plein d'instruments. Donc ouais, mais la guitare, ouais, c'est un peu mon truc prédilection. Donc oui, une guitare. Ok. Donc tu préfères rester dans le classique, toi, en fait. Tu aimes bien découvrir des choses, mais tu aimes bien avoir autour de toi ce que tu connais. C'est exactement ça. Ah ouais, ça c'est exactement ça. Tu sais, ma façon de travailler, de fonctionner, c'est effectivement, je suis dans mon truc où il y a ma zone de confort, tu vois. Et j'aime bien en sortir, si tu veux, mais tu vois, c'est un peu comme le parachute ou le filet. Mais c'est calculé. Pouvoir, tu vois, aller voir un truc, ça va pas, tu vois, et ça permet d'explorer, mais en restant en sécurité. Mais ça n'empêche pas d'explorer surtout. Mais je pars pas en hors piste, tu vois, quitte à tomber dans un ravin. Parce que ça, j'ai trop vu d'ailleurs. Voilà, j'aime bien découvrir des tas de choses, mais pas de risquer de me retrouver dans une merde noire pour ça, quoi. Alors, j'ai Emma qui me dit une basse ou un violoncelle. Et elle, un instrument avant à cordes. Le string n'est pas un instrument, elle. Ça fait de la musique quand tu fais du vent, mais c'est pas un genre de musical. La dernière question du si tu étais un ou une artiste. Bah, moi. Pourquoi pas? Bah. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Go faire un concert. Concerto d'estomac vide. Maintenant, je vais te poser une question. C'est-à-dire que chaque personne qui a participé au Tiki Toi, je lui ai demandé de me donner une question. Et du coup, ces questions-là sont numérotées selon l'ordre que les gens sont arrivés dans le Tiki Toi. Donc, tu vas me choisir un chiffre entre 1 et 96, s'il te plaît. 50. Au milieu. As-tu accompli tes rêves sur TikTok? Oui et non, dans la mesure où j'ai rencontré des gens formidables. Donc, pour moi, le contrat est rempli. Ensuite, je ne sais pas du tout où ça va et ce que ça va donner. Donc, si tu veux, je te le dirai le jour où soit je l'arrêterai complètement, ou soit on me verra à la télé pour présenter celui qui est le plus connu du monde sur TikTok. Tu vois, non, je ne sais pas. Pour le moment, je vais te dire que le temps que j'y ai passé et les gens que j'ai rencontrés dessus, le contrat est rempli. Donc, oui, tu vois, voilà. Ok, donc là j'ai mon live qui est parti en plein délire là avec les instruments avant. Alors il y en a qui me font des bruitages de paix. Il y aurait beaucoup d'allire sur les instruments. Et il y a Cédrine qui met, il va nous falloir des amplis pour entendre le silencieux. Ah t'es élégante Cédrine, t'es élégante. Stop les filles, on a marre de porter des masques. Salut Maëlys, salut Delphine. N'importe quoi. Du coup, je vais te demander à toi de me donner une question ou une phrase que tu as envie de dire à quelqu'un. C'est-à-dire que
S'il y a des personnes dans ton chat ou dans le mien qui décident de participer au Tiki Toi et qui veut répondre à ta question, tu seras le numéro 97. D'accord. Alors j'ai compris que je serai le numéro 97, mais alors, qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu peux soit m'expliquer longtemps, me donner une question. Tu peux soit me donner une question, ou si tu as une phrase, par exemple, je prends la numéro 19. Le numéro 19, la personne a juste envie de dire, tu es une personne bien, continue ce que tu fais, tout le bonheur du monde pour toi. Il y en a un, il m'a mis, pourquoi moi boire une bière qu'on peut boire de l'hydromel? En tant que breton, je te confirme. La 65, c'est avec un sourire, vous êtes invincible. Donc voilà, tu peux me dire n'importe quoi. Les dernières questions sont assez space. Alors tiens, regarde, j'en ai un. Une question, une phrase, n'importe quoi, quelque inspirer, chose. Que voilà. Alors la question que tu veux poser, si tu étais un style de chaussure, voilà, qu'est-ce que tu serais? Voilà. Oui, parce que comme je suis un maniaque, malade, collectionneur, compulsif de chaussures et de bottes en tout genre, effectivement, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-dessus dans mon chat. Voilà. Nous sommes tous unis comme tout le monde. Et c'est bien ça. Du coup, le Tiki Toi est quasiment fini. Il va me rester une dernière question à te donner. Que dirais-tu à une personne pour la faire venir sur ta chaîne? Oh, alors, qu'elle vienne voir mes vidéos, et si ça l'intéresse, qu'elle s'abonne, ce sera avec plaisir. Mais voilà, encore une fois, je ne fais pas la course aux abonnés, donc si tu veux, quelqu'un mon travail, mes petites vidéos, ma machin, tout ça intéresse, qui vienne, c'est avec plaisir, tu vois, voilà, c'est ça que je peux leur dire. Par contre, s'ils n'aiment pas mon style, s'ils n'aiment pas ce que je joue, s'ils n'aiment pas mes vidéos, qu'ils se cassent, voilà, ça ne sert à rien, ils perdent du temps, quoi. Donc, voilà, allez voir mes vidéos, et puis si ça vous intéresse et si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera avec plaisir que je partagerai ça avec vous, voilà. Quand je te dis qu'on se ressemble tellement, écoute bien la phrase que je vais dire, cette phrase-là, je la dis tout le temps, à chaque Tiki Toi, je le répète, donc écoute bien les mots que je vais dire. Donc les gens, si comme moi, vous avez apprécié, du coup, les réponses de Jomo Style et que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à aller cliquer, regarder sur le petit icône qui est juste en bas de lui, là. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos et si vous aimez, à vous abonner.